dans ma vie se trouve Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse, un organisme qui aide les immigrants d'expression française à se préparer à arriver, à s'installer et à s'intégrer à Halifax et dans toute la province de la Nouvelle-Écosse. Grâce à une équipe de professionnels compétents et qui sont là pour vous accompagner, Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse offre une panoplie de services aux nouveaux arrivants francophones et francophiles, tels que l'aide à l'établissement, l'aiguillage vers d'autres organismes et institutions. Nous offrons aussi des services de connexion communautaire, d'intégration scolaire et autres. Si vous êtes dans ma ville, venez nous voir, nous serons ravis de vous servir. Au plaisir donc de vous rencontrer. Dans ma ville, ça me ferait plaisir de vous offrir un service complet en orientation professionnelle pour vous accompagner dans le processus d'exploration carrière. Grâce à notre expertise et l'utilisation de différents outils d'évaluation, nous saurons vous guider dans l'atteinte de vos objectifs professionnels. Dans ma ville, on trouve les centres des services d'emploi Nouvelle-Écosse au travail YMCA qui offrent un large éventail de services pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Vous pouvez bénéficier de nos services dans les deux langues officielles et nous savons nous adapter à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram ou visitez notre site Internet pour voir la liste complète de nos services. Dans ma ville, c'est facile de trouver un professionnel de santé qui parle français. Consultez le répertoire des professionnels de santé francophones sur réseausanté.ne.ca. Dans ma ville, on retrouve des écoles francophones, des garderies francophones, une chambre de commerce francophone. Nous avons un employé de la ville dédié aux services en français, en plus de dizaines d'associations communautaires destinées à nous offrir une représentativité culturelle et francophone. Dans ma ville, près de 50 000 personnes parlent français et nous avons une belle station de radio communautaire francophone qui rayonne à plus de 2000 watts de puissance. En ondes depuis 2007, CKRH, la coopérative Radio Halifax Métro Limitée ou WIFM 98, émet plus de 120 heures de programmation locale dont 65 % du contenu musical est francophone. Nous sommes la radio communautaire francophone d'Halifax et de Dartmouth et nous comptons deux employés. Entrevues, agenda communautaire, bulletins de nouvelles, podcasts, accès à de l'équipement radio, de la formation et bien sûr de la visibilité publicitaire. WIFM compte plus de 20 bénévoles et membres de conseil d'administration et opère à partir de ses studios de la rue Portland à Dartmouth. En opération 24 heures par jour, 7 jours sur 7, WIFM ne dort jamais et demeure une source d'information fiable et locale. Écoutez-nous au 98.5 FM ou visitez notre site web au oui98.ca. Dans ma ville, on chante en français. Mon nom est Serge Desjardins. Je suis membre de la chorale Les Bois d'Acadie. Savez-vous que la chorale Les Bois d'Acadie est la seule chorale francophone à Halifax? Et ce, depuis 50 ans, presque 50 ans. Elle accueille parmi ses membres des Acadiens, bien sûr, des Québécois, des Français et des gens vraiment de partout à travers le Canada pour venir chanter, qui ont le plaisir de venir chanter et de rencontrer d'autres francophones. Alors tout ce beau monde-là forme une famille qui aime chanter, se rencontrer, mais vraiment le plaisir de chanter.